cyberespace. Technologie, actualité numérique, réseaux sociaux, digital. Une Algérie 2.0, cyberespace sur Algérie 3. Bonjour Samy. Bonjour Soraya, bonjour Hakim. Ce matin, nous allons parler de ces internautes ciblés par la machine de propagande sioniste sur les réseaux sociaux. Partager un message de paix ou n'importe quel contenu en rapport avec la dénonciation de l'attaque sioniste sur Gaza. Alors, une censure qui se poursuit pour cacher la réalité de ce qui se passe réellement à Gaza. Une guerre de l'information manipulée avec une propagande donc programmée au moindre détail par l'entité sioniste. Une cellule a même été installée pour brouiller les pistes et maquiller la vérité. Alors une tendance s'est vite manifestée depuis le début de l'attaque sioniste. Donc tout contenu en rapport avec la Palestine est automatiquement censuré sur de nombreux réseaux sociaux. C'est ainsi que des centaines de pages ont été supprimées du jour au lendemain. Des profils bannis pour avoir tout simplement partagé une story ou un commentaire qui soutient la résistance palestinienne pour avoir dit la vérité. Les différents blackouts imposés à Gaza entravent grandement les canaux de communication, la presse, les médias, sans internet et sans télécom ont beaucoup de mal à accomplir leur travail, de rapporter l'information telle qu'elle bien avant qu'elle subisse la manipulation et l'influence sioniste. Des profils d'internautes lambda également qui ont juste voulu apporter leur soutien en partageant par exemple des cagnottes en ligne organisées en soutien aux Gazaouis, ou alors à travers des messages d'amour et de paix, des profils contre lesquels des sanctions sont appliquées. Le compte se retrouve restreint pour un bon nombre de jours, voire plusieurs semaines, ou alors définitivement. Une influence qui touche également au profil de journalistes sur les réseaux sociaux, une photo, une vidéo partagée, un message de soutien ou une actualité transparente, équivaut à une suspension automatique du compte, même ancien ou certifié. Les internautes ont d'ailleurs remarqué cette tendance de censure, de petites astuces sont employées pour les contourner efficacement et pouvoir ainsi transmettre la vérité de ce qui se passe réellement à Gaza sans aucune manipulation sioniste. On va être subtil aussi. Passant au-dessus des radars, éviter les checkpoints sur les réseaux sociaux, avec des messages et des publications un peu plus subtiles. Exactement. Voilà, pour brouiller les pistes. Merci, Samy. Merci à vous.